Le gang des postiches, cette bande a défrayé la chronique de 1981 à 1986. En 5 ans, les postiches ont attaqué des dizaines de banques sans jamais se faire pincer, en changeant à chaque fois de visage, se déguisant en rabbin ou en diplomate russe, avec fausse barbe, fausse moustache, grosses lunettes, perruques, enfilant parfois des masques tout droit sortis des magasins de farces et attrapes. C'est pour ça qu'on les a appelés le gang des postiches, et c'est comme ça qu'au fil des mois, ils ont amusé et séduit la presse et l'opinion publique, d'autant que les premières années, ils ne font pas couler une seule goutte de sang et ridiculisent la police en s'évanouissant dans la nature sans jamais laisser de traces. Et puis d'un coup, ils ne font plus rire. Ils deviennent agressifs et même violents avec les gens qu'ils attaquent. Un de leurs braquages tourne au bain de sang. Ils enterrent eux-mêmes leur propre légende. Question. Que peut penser un banquier lorsqu'il voit arriver quelqu'un déguisé de la sorte avec un pistolet mitrailleur à la main? Réponse, bien sûr, il pense que c'est un hold-up. Hier, ils étaient une douzaine à jouer cette sinistre farce, un vrai petit bataillon de malfaiteurs qui, calmement, a tenu en respect la trentaine de personnes qui se trouvaient ici même. Quand je suis rentré, ils m'ont mis un pistolet sur le buffet, et puis je me suis mis les mains à plat, et puis j'ai attendu que ça se passe. Il y avait une atmosphère de chantier en bas, quoi. Oui, à peu près, oui, je me croyais à l'usine, d'ailleurs, ça change pas comme ça. Ça fait peut-être sourire les journalistes, et avec eux la France entière, mais ça ne fait pas sourire le directeur de la banque. Il vient de découvrir, effaré, l'ampleur du casse. 80 coffres éventrés, 120 000 francs évaporés. Au nez et à la barbe de la police, le gang a encore une fois appliqué sa fameuse méthode, efficace et culottée. Vers 15h, les postiches ont passé en douceur le sas de la banque de la rue d'Alésia, affublé de fausses moustaches.